Bonjour, je m'appelle Denis Lefebvre. Et moi, Diane Loisel. Et nous sommes... Tenons Mortaise. Tenons Mortaise est une compagnie de théâtre multidisciplinaire. Ça veut dire qu'elle lie plusieurs formes d'art. Ça peut aller de la vidéo, au mime, au théâtre dansé, à la marionnette, au théâtre d'ombre. Et en plus, on est vraiment attiré vers le théâtre jeune public. Le Carré de sable, espace de jeu des tout-petits, c'est notre plus récente création. Le Carré de sable, ça s'adresse vraiment aux tout-petits, soit les 2 à 6 ans, et probablement même les 18 mois. Dans le Carré de sable, on retrouve entre autres du jeu d'ombre, du jeu marionnettique, on retrouve aussi du théâtre d'objets et bien sûr du théâtre clownesque. Alors nous, notre projet de médiation s'est déroulé en partenariat avec le parrainage civique Les Marronniers. Ça s'est fait au Café Bistrot Le Jarry 2e, donc avec des jeunes adultes qui ont une légère déficience intellectuelle. Avec eux, on a pu explorer tout l'univers du théâtre d'ombre. Alors pendant tout un après-midi, on a travaillé avec eux sur différents types de jeux d'ombre, sur comment on peut aborder le théâtre d'ombre. Donc nous, le travail qu'on a fait avec les jeunes du Café Bistrot, ça nous a permis d'explorer vraiment le théâtre d'ombre. Alors même si c'était pas notre groupe cible, on est allé vraiment vers l'optique des ombres projetées, du théâtre d'ombre projeté. Donc contrairement à un théâtre traditionnel où les ombres sont derrière, les manipulateurs sont derrière l'écran, dans ce cas-ci, ils étaient devant l'écran. Et entre autres, on a manipulé avec eux des fruits puisqu'ils travaillent en cuisine, on a fait toutes sortes d'ombres projetées et ça a vraiment confirmé que c'était quelque chose qu'on voulait intégrer dans le spectacle.